Et on avait à cœur de montrer qu'on pouvait jouer, qu'on n'était pas un groupe de 12, 13, 14, mais un groupe de 20 qui travaille dur à l'entraînement toute la semaine. C'est bien passé, on a gagné. Non, mais c'est bien, on finit bien la campagne européenne. Pour les supporters qui sont venus sur tous les déplacements, on avait aussi à cœur de bien finir. Il y avait beaucoup de joueurs qui découvrent un peu l'Europa League. Et bon, voilà, le résultat, il est positif. Mais c'est bien, dans le sens, je pense qu'on a fait en plus une bonne performance. Donc, c'est pas volé, entre guillemets. Après, c'est bien, on finit bien. Et voilà, c'était le mot. C'était vraiment le mot. Franchement, c'est une soirée inoubliable. En plus, il y a la victoire au bout. Donc, que rêver de mieux? Je sais pas. Et franchement, c'est une grande fierté ouais, ce soir, et puis j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Ça fait plaisir, hein. C'est notre première à tous les deux en Coupe d'Europe. C'est un match, c'est des trucs extraordinaires qu'on vit, et en plus qu'on a la victoire aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir à tout le groupe, et à nous deux en particulier, quoi, comme on vient du centre, donc c'est bien. Oui, ça fait beaucoup plaisir, surtout c'est ma première. En plus, c'est une victoire à la clé. Et je suis content, en plus j'ai joué avec des coéquipiers de la formation. Donc ça fait encore plus plaisir. Mais écoutez, très content, voilà, on gagne déjà. Après, il y a eu de bonnes choses. Et puis moi, personnellement, je marque, et, un peu anecdotique, mais de la jambe droite où je me suis blessé il y a 7 mois déjà. Donc voilà, on est très content. Bah, le match en soi, on était prévenus. On savait que c'était un adversaire qui allait mettre de l'agressivité. C'est ce qu'ils ont fait. Après, je trouve qu'on a su tenir le ballon. Par moments, on l'a perdu un peu facilement, mais... dans l'ensemble, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Ouais, c'était pas facile, franchement, c'était pas facile. On a un peu une appréhension. Mais après, voilà, une fois qu'on est sur le terrain, ça se relâche naturellement. Donc, non, c'était vraiment bien. On aurait aimé aller, bien sûr, plus loin dans cette compétition. Après, je pense que le groupe, il va en sortir grandi parce que bah, c'est pas des matchs de Ligue 1. Donc, c'est une autre ambiance, des autres adversaires, des autres styles de jeu. Donc, je pense que ça peut nous permettre de progresser. On fait deux victoires, après on apprend, il y en a eu des gros matchs, je pense que Schalke, voilà, ils sortent premiers de leur groupe, il n'y a pas grand chose à dire. Krasnodar, c'est une équipe qui s'est qualifiée, qui se qualifie depuis plusieurs années, on apprend, après ça donne envie d'y retourner, et j'espère qu'on y retournera dès l'année prochaine, c'est surtout ça, parce que voilà, le but c'est de la jouer tous les ans, parce qu'on apprend. Écoutez, je pense qu'on a appris beaucoup sur cette compétition, voilà, il y a eu de très bons matchs, des matchs intéressants, je pense que des matchs prônables, et voilà, c'est le haut niveau et ça se joue sur quelques détails. Donc voilà, nous encore là ce soir, on marque sur coup de pied arrêté, c'est un détail de marquage. Voilà, ça se joue vraiment sur. C'est assez pointilleux et je pense qu'on a appris et j'ai envie qu'on apprenne encore pour l'avenir. On va pas dire que je l'ai rêvé, mais j'avais vraiment envie de marquer ce soir. Et voilà, penalty, en plus je le retire, tout ça, je fais une panenka, donc voilà, c'est. C'est une belle histoire pour moi et je suis très content.